Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Alors, ça fait trois fois que j'enregistre une émission qui doit être la dernière partie de mes commentaires sur les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Simplement, la première, elle faisait 1h15, la deuxième, elle faisait 58 minutes, la troisième, elle faisait, je sais plus, 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Il y a trois thématiques importantes pour cette dernière partie de commentaires des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Je vais m'arrêter sur trois axes particuliers qu'il développe lui-même. Jean-Marie Le Pen, lui, ne fait pas tripoter la braguette par des gamins. Qu'il développe lui-même. Alors le premier, c'est, je vous avais laissé la dernière fois, il était en Indochine. Donc là, en 1955, je le fais sans notes pour essayer de ne pas me perdre, en 1955, il rentre d'Indochine, il rentre en France. D'ailleurs, quelques lignes sur Yann Piat, c'est intéressant. Yann Piat, cette députée frontiste qui s'est fait assassiner dans le Var quelques années plus tard. Beaucoup, tout le monde au sein du Front National pensait que Jean-Marie était en fait le véritable père de Yann Piat. Lui confirme qu'elle pensait aussi qu'il était le véritable père, mais que ça n'a jamais été le cas. Alors je pense honnêtement que si ça avait été sa fille, il lui aurait donné un peu plus qu'un paragraphe et demi. Donc voilà, si ça vous tente à un moment, c'était pour le petit côté anecdote. Donc premier axe, donc il rentre dans l'Indochine, qu'il va rencontrer Pierre Poujade. Pierre Poujade, pour les plus jeunes, 1955, Pierre Poujade commence à faire parler de lui, c'est un commerçant, je crois un libraire ou un imprimeur, je ne sais plus, qui en a marre en fait, des visites intempestives du fisc, une nouvelle réforme d'ailleurs est passée, qui rend encore le truc encore un peu plus insupportable pour les petits commerçants et les artisans, et commence à former une espèce d'union mi-parti politique, mi-syndical pour empêcher les contrôles en fait. Au début ils sont 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000, et donc évidemment quand l'inspecteur des finances vient pour contrôler les comptes d'une entreprise, bah évidemment avec ses 10 gendarmes il ne peut pas faire grand chose. Donc Pierre Poujade, il commence à se faire vraiment connaître en 1955. On le traite, les communistes et les socialistes le traitent d'apprenti dictateur, alors qu'au début les communistes étaient plutôt avec lui, parce que justement il représentait cette frange toute petite bourgeoisie, même pas bourgeoisie, classe moyenne supérieure qui les intéressait. Petit commerçant artisan. Lui, clairement, c'est pas un communiste, il commence à faire des discours fleuves, où il explique qu'il faut mettre à bas la République, etc. Et dans le même temps, 1956, vont avoir lieu de grandes élections générales à la proportionnelle. Donc des élections pour élire des députés. Jean-Marie Le Pen, lui, il est à Paris, il va former un petit groupe avec ses amis, les Jeunes Indépendants de Paris. Alors j'aime bien parce que Jean-Marie Le Pen ne donne jamais de chiffres. C'est toujours très intéressant parce que donc c'est une espèce de micro-parti politique, les Jeunes Indépendants de Paris, et tu te demandes toujours combien il devait être. Parce qu'il dit « je forme avec mes amis », donc tu te dis « ils doivent être 10, quoi, 12, maximum, un truc comme ça », mais enfin c'est pas très clair, quoi. Mais enfin je pense que ça devait être l'époque où tu pouvais faire un parti politique avec 12 personnes, et après essayer de peser quand même sur les événements. Donc ils veulent à la base présenter une liste sur Paris, Jean-Marie Le Pen accepte d'être le candidat, j'adore quand il dit qu'il accepte d'être le candidat, parce que je sais qu'il en meurt d'envie, il le dit lui-même d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je le charrie un petit peu. Mais au même moment, un ami à lui il dit « mais tu devrais rencontrer Poujade et tout, il cherche justement des gens comme toi, des nationaux un peu anciens de l'armée, tout ça ». Donc il va rencontrer Poujade, Poujade lui dit qu'il va lancer une liste à Paris, et donc Jean-Marie Le Pen lui dit « bon ben on va pas mettre des adversaires contre vous, on va pas jouer contre vous, mais on va vous aider si on peut », et Poujade lui dit « mais j'ai mieux à vous proposer, est-ce que vous voulez pas être la tête de liste sur Paris ?» Alors je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, moi je me dis toujours, le mec arrive, Poujade lui dit « vous voulez pas être la tête de liste sur Paris ?» Alors je veux bien croire qu'ils avaient du mal à trouver des candidats, mais je me dis toujours, ouais, Jean-Marie, t'as pas un petit peu insisté quand même? Encore une fois, il le dit lui-même, hein, qu'il le recherche ce pouvoir, qu'il cherche la gestion des affaires politiques. La question est ouverte. Bon, Jean-Marie Le Pen lui dit, il faut que je réfléchisse, il faut que je vienne vous voir dans un meeting et tout, faire un discours, et donc rendez-vous est donné à Blois. Ils vont voir un discours, le mec fait un super discours, Poujade était très bon. Poujade était très bon. Si vous avez l'occasion de regarder des vidéos de l'époque sur le site de l'INA ou des trucs comme ça, Poujade avait vraiment ce côté grand orateur, 4ème République, qu'a eu aussi, enfin qu'a d'ailleurs toujours, je trouve, Jean-Marie Le Pen, et ce petit côté qu'on peut retrouver parfois chez Jean-Luc Mélenchon aussi. Moins bon, quand même, disons-le.
il y va, et là, automatiquement, c'est le coup de foudre politique, on va dire. Il trouve qu'il est très bon, et donc il accepte de le rejoindre. Il devient tête de liste sur Paris, et les élections de 1956 arrivent. Jean-Marie Le Pen est élu avec 52 autres députés. Donc apparemment la campagne quand même a été assez sportive, mais très vite c'est l'échec. En fait l'échec il va être consommé dès 1956, 1957 et après le poujadisme va partir en fumée. C'était vraiment une comète, un météore. Alors pourquoi c'est l'échec? Alors Jean-Marie Le Pen cite un certain nombre de raisons. Donc la plupart des députés poujadistes, en fait comme c'était pas les chefs du mouvement qui ne voulaient pas être candidats, ils avaient pris des mecs un petit peu bateaux, donc ils avaient pas le niveau. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein, les macronistes. Ensuite, il dit qu'il y a eu pas mal d'énervement et de jalousie chez les chefs du mouvement qui finalement auraient bien voulu être députés vu que ça s'était pas trop mal passé. À côté de ça, il y a de plus en plus d'intimidations violentes des partis de gauche et Poujade aurait reculé. Il n'aurait pas voulu faire une grande manifestation contre le communisme et le socialisme. À partir de là, c'est un petit peu la merde. Jean-Marie lui explique, enfin, il explique dans ses mémoires que Poujade aurait certainement plutôt voulu un ministère, un grand ministère du commerce et de l'artisanat que être vraiment le mec qui prend tout en main. Il dit aussi, Jean-Marie, que Poujade aurait été jaloux vis-à-vis de lui. Alors ça, je ne sais pas. Poujade n'a pas la même version des choses, hein. Lui, il dit que Jean-Marie Le Pen l'a un petit peu trahi et qu'il était jaloux de lui, Poujade. On ne saura jamais, hein. J'ai envie de vous dire, entre les deux, j'ai quand même plutôt tendance à croire Jean-Marie sur ça. C'est-à-dire que Jean-Marie était député, c'était le principal orateur des poujadistes à l'Assemblée. Poujade, lui, était en perte de vitesse, il a dû un peu plus facilement accabler Jean-Marie. Toujours est-il qu'en 1957, il y a une élection partielle à Paris, mais celle-là n'est pas au scrutin proportionnel, mais au scrutin uninominal, majoritaire. Et Poujade fait l'erreur de se présenter, il se prend une tôle et à partir de là, ça a été la fin du poujadisme. Jean-Marie Le Pen lui rend quand même un petit peu hommage, on sent qu'il est un petit peu nostalgique, mais finalement pas grand-chose. Que reste-t-il aujourd'hui du poujadisme? J'ai envie de dire que ce qui reste probablement en France du poujadisme, c'est Jean-Marie Le Pen, et que quand il partira, il ne restera probablement plus rien de ce qui a été l'œuvre de Poujade. Deuxième axe de notre commentaire de lecture, l'Algérie française, très 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 importante dans cette dernière partie de commentaire des mémoires de Jean-Marie Le Pen, très très importante parce que ça prend tout l'espace en fait, hein. Au bout d'un moment, à partir du moment où il revient d'Indochine, il n'y a plus qu'une seule obsession, c'est l'Algérie. En fait, cette aventure algérienne, elle commence quand même par autre chose que l'Algérie, en fait, elle commence par l'Égypte. Donc à l'automne 56, il s'engage dans l'armée. Se réengage dans l'armée alors que c'était promis de ne pas le faire pour le conflit algérien, mais finalement en fait il voit qu'il y a possibilité de partir reconquérir le canal de Suez et donc il accompagne le premier REP, le premier régiment étranger de parachutistes. Bon évidemment je vous fais pas, vous savez ce qui s'est passé au canal de Suez, hein, victoire militaire mais défaite politique, la France est obligée de reculer avec l'Angleterre et avec le Royaume-Uni et finalement donc rentrer piteusement en Algérie, vu comme des perdants, alors que malgré tout, les mecs avaient gagné militairement l'affaire. Donc il se penche sur les événements, il les décrit, on les connaît les événements, hein, il les a déjà décrits, et c'est ceux aussi que nombreux pieds noirs ont décrits, c'est-à-dire la montée des tensions entre les communautés, les musulmans qui veulent toujours, certains musulmans qui veulent toujours croire en la France, et d'autres qui ont compris que la France allait lâcher l'affaire. Alors il s'étend un petit peu sur. A-t-il fait des actes de torture ou pas? Alors, il a déjà réglé cette question X fois. Je ne sais pas. Je vous avoue que je me pose la question. Alors, il explique que, de toute façon, non, il n'a pas commis d'acte de torture pour une raison simple. Il était l'officier de renseignement de sa compagnie et non pas du régiment. Et c'était l'officier de régiment qui s'occupait un petit peu des interrogatoires un peu plus. L'officier de renseignement du régiment qui s'occupait. Des interrogatoires un peu plus durs, il faut comprendre aussi qu'à l'époque, la torture, c'était très encadré, c'est-à-dire qu'il y avait des gendarmes, il y avait un procès-verbal, etc., etc. Il pose une bonne question, en fait. Il dit, quand est-ce que ça commence, la torture? Parce qu'il dit, un mec qui prend des gifles, est-ce que c'est la torture? Si on braque un pistolet, mais qui n'est pas chargé sur la tête d'un mec, est-ce que c'est de la torture? Alors oui, c'est de la torture psychologique, mais lui, il n'entend pas nécessairement comme ça.
Il soulève encore une fois la fameuse question, je ne sais plus si c'était Salange ou un autre qui avait dit ça une fois à la télé. Si vous savez que le lendemain il va y avoir des attentats terroristes qui vont toucher les populations civiles, ok, et que vous avez un terroriste entre les mains, que vous savez qu'il sait où les bombes vont exploser, et que vous avez quelques heures devant vous, qu'est-ce que vous faites? C'est la bonne question, et malgré tout, j'ai envie de vous dire, cette question elle se pose avec d'autant plus d'importance quelques années après l'affaire du Bataclan. Et je vous la pose à vous d'ailleurs, elle l'a posée après, avec ce commentaire des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Si une bombe va exploser, si vous savez que ça va tuer des dizaines, voire des centaines de civils, des enfants, des femmes, des hommes, des vieux, etc., est-ce que si vous avez un terroriste entre les mains, vous pratiqueriez la torture sur lui? Alors, c'est très facile de répondre oui ou non à cette question. Les gros bras répondront facilement oui sans avoir pris le temps de réfléchir. Et les bobos répondront facilement non sans avoir pris le temps de réfléchir. Mais on peut vraiment répondre à cette question qu'une fois qu'on est en face de la situation. La question est également de savoir si vous êtes d'accord pour la torture ou si vous êtes capable de la pratiquer. Pour moi, c'est un peu la même question que quand on se demande si on doit rétablir la peine de mort ou pas. Dans ce cas-là, est-ce que vous êtes capable d'appuyer sur le bouton qui va tuer le mec, en sachant qu'il a été condamné, ou est-ce que vous n'êtes pas capable et vous voulez qu'un autre le fasse à votre place, tout en étant pour la peine de mort? C'est toute une question et je n'ai pas de réponse à apporter. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen aussi n'apporte pas de réponse, il soulève des interrogations. C'est ce fameux éternel débat. Or il raconte toute son expérience algérienne, les promesses qui sont faites aux populations. Mais en fait, je pense que toute la partie Algérie française, ça lui sert surtout à introduire ce qui va être notre troisième axe, en fait. Et qui est, j'ai envie de dire, l'axe le plus important, mais parce qu'il est, jumelé avec l'Algérie française. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? Évidemment, donc Jean-Marie Le Pen n'a pas une très très bonne opinion du général de Gaulle, bien que, chose assez amusante, la plupart des gens ont écrit, pour résumer ses mémoires, qu'il flétrissait la mémoire du général de Gaulle. Alors évidemment, il n'est pas tendre avec le général de Gaulle, mais d'un autre côté, moi je l'ai entendu être beaucoup plus dur que ce que je l'ai vu écrire. Et je trouve que dans certaines formules de phrases, des fois, on a le sentiment qu'il comprend finalement ce qu'a essayé de faire le général de Gaulle. Ou en tout cas, qu'il relativise ce qu'il a pensé pendant longtemps du général de Gaulle. C'est-à-dire que, oui, il fallait pas abandonner l'Algérie française comme ça, oui, de Gaulle a menti aux populations, mais il se pose quand même la question, il dit, je pense que de Gaulle avait un grand projet pour la France, mais qu'il n'a pas eu le temps de le faire, et que pour lui, l'Algérie était un boulet, et que pour lui, l'Algérie était un boulet dont il fallait se détacher. Donc, il le dit d'ailleurs à un moment, il dit, de Gaulle a pris la bonne décision, en se séparant de l'Algérie française. Mais il l'a fait de la mauvaise manière. Alors effectivement, est-ce qu'il y avait plusieurs manières? Est-ce que... Moi j'ai des ancêtres qui étaient pieds noirs aussi. De Gaulle n'a pas été tendre avec eux. Et rien n'était prévu pour quand ils sont revenus en France. Mais rien n'était prévu pour eux quand ils sont revenus en France. Donc voilà, c'est assez amusant cette relation qu'il a au général de Gaulle. Alors il raconte aussi Le Pen... Les événements du 13 mai, vous savez, le 13 mai, c'est ce fameux moment où tout a basculé, où De Gaulle est revenu au pouvoir, en tout cas, où la perspective gaulliste est devenue une nécessité, et a été acceptée par la 4ème République finissante. Mais en fait, peut-être que certains le savent, d'autres ne le savent pas, il y a eu de multiples complots ce jour-là. Le complot gaulliste, c'était pas le seul. Et Le Pen, il voulait un petit peu participer à tout ça, quand même. Mais pas dans la team, pas dans l'équipe générale de Gaulle, évidemment. Alors c'est d'ailleurs extrêmement amusant, parce que c'est une partie à voir à partir de la page 270, si, parce que je vous explique rapidement l'anecdote. Donc, aux abords du 13 mai, on comprend qu'il va se passer un grand coup en Algérie, les liaisons entre la France et l'Algérie sont coupées. Le Pen veut aller en Algérie, donc il se casse en Belgique, de Bruxelles, il prend un avion pour essayer d'arriver en Algérie. Cet avion, quand il arrive enfin en Algérie, ils se font refiler par des mecs de l'armée qui leur disent non, vous remontez dans l'avion et vous repartez. Parce que le général Jouot nous a donné l'ordre de vous tuer si vous obéissez pas. Lui, il est quand même très surpris parce que Le Pen, il a de très bonnes relations avec Salan.
Donc il repart. Il prend un avion. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est tout un bordel, pas possible. Donc il avait pris l'avion du Portugal, je crois. En fait, il était parti de Bruxelles, puis après il a fait le Portugal ou l'Espagne, je sais plus. Il repart cet avion. Il est en train de repartir. Quand il y a un avion de la chasse française qui l'oblige à réatterrir en Algérie. Chose incroyable, quoi. Et on lui dit que ce coup-ci c'est bon, sauf que quelques heures plus tard, il repart. Il est épuisé, il n'a pas dormi depuis 36 heures. Puis à un moment, il dort dans l'avion. Puis il se lève pour se dire, putain, je mangerai bien un sandwich ou quelque chose. Il va dans le cockpit. Là, il voit un enfant de 11 ans qui tient le. Je sais pas comment on dit, le manette. Je ne sais plus, le manche. Voilà, le manche qui tient le manche. Et il a l'impression de devenir un petit peu fou après 36 heures sans dormir, balader de retour en Algérie, etc. Là, il voit le pilote à côté de lui qui dort. Il le réveille, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'autre, il fait, mais c'est mon fils. Il fait, enfin, exactement, il fait, ma, c'est mon fils. Je disais, il a écrit ça comme ça, Jean-Marie Le Pen. Et il fait, mais qu'est-ce qu'il fait à 11 ans à piloter? Et l'autre fait, ma, s'il la plaint jamais, il se l'a jamais. Voilà, c'est parti des petites anecdotes que je trouve amusantes. La suite est évidemment beaucoup moins amusante. Il revient longuement, je crois qu'il y a un chapitre qui s'appelle Trahison. Donc voilà, il revient rapidement sur, longuement, pardon, sur la trahison du général de Gaulle, les fausses promesses. Il vient très peu sur le putsch des généraux. Ça, il dit que ce sont des événements tragiques et qu'il n'a pas envie nécessairement d'en reparler. Alors, il évoque la possibilité que de Gaulle ait voulu se venger d'une armée trop pétainiste dans la répression qui a suivi la tentative de putsch. Je ne sais pas. C'est vrai que l'armée n'avait jamais été gaulliste, en fait. C'est ça qui est assez amusant. Et oui, oui. Grâce à l'intervention de Soustelle, de Chaban, etc. Les principaux chefs de l'armée avaient fini par se rallier un petit peu à l'hypothèse de Gaulle, mais Salan, Jouhaud, Chad, etc. C'était pas des grands fans du général de Gaulle à la base. Bon, évidemment, vous connaissez la suite, 62, les accords d'Évian, la fin de l'Algérie française, tout ça. Ensuite, il essaye un petit peu, Jean-Marie, de rentrer dans la vie civile. C'est parfois un petit peu difficile pour un ancien militaire, hein. Et donc il crée une société, alors je sais pas si vous le saviez, mais il a une société, la SERP, c'est une société de producteurs de disques. Alors c'est assez amusant parce qu'il explique tout ce qu'il a produit. Alors il a mis des discours d'Hitler et des principaux chefs nazis, mais aussi des discours des principaux chefs communistes, des chants allemands, des chants communistes, des chants païens, des chants machin. Oui, il a fait vraiment un petit peu de tout, hein. En 65, il s'occupe de la campagne de l'avocat Tixier Vignancourt. Et encore une fois, c'est un échec complet. Même, il évoque un petit peu les mêmes raisons que pour le poujadisme. Alors, à ceci près qu'en plus, le mec semble un peu fou, Tixier Vignancourt. Je connaissais un peu le personnage, mais pas trop. C'est que s'il ressemble à ce que Jean-Marie Le Pen disait, ça semble vraiment être un personnage. Le mec s'était cru président très rapidement. Le problème, c'est qu'il va faire tellement de conneries que Jean-Marie Le Pen lui en voudra beaucoup parce qu'il a dit, en fait. Le choc Tixier Vignancourt et la campagne pourrie et les résultats minables ont reculé la possibilité de créer un grand mouvement patriotique à 1972 et la création du FN et ont probablement atténué les résultats que le mouvement allait faire à ses débuts. On peut le croire, c'est vrai que les rapports qui existent sur la campagne de Tixier Vignancourt en 65 montrent bien qu'il était extrêmement bien parti, mais qu'au bout d'un moment, bah, ça s'est fortement essoufflé. Alors, il passe très vite sur la création du FN en 72, puisqu'il le dit lui-même, il abordera largement le sujet dans le tome 2. Alors j'espère que Dieu lui prêtera vie jusqu'au moment de finir l'édition du tome 2. Ça me semble. Oui, ça semble bien parti. Je pense que l'écriture est très bien avancée, mais c'est vrai que là il a eu des soucis de santé récemment. Il parle de Marine, un petit peu, de Marine Le Pen dans. Encore une fois, les médias ont surtout pris les mots sans essayer de comprendre le sens des phrases, en fait. Moi, je trouve pas qu'il égratigne tant que ça, en fait. Je trouve qu'il en dresse un portrait qui est plutôt celui d'un chef. D'un mauvais chef, peut-être, mais d'un chef.
On m'appelle à un moment quand il explique que le jour où les accusations sont, de torture sont sorties contre lui dans la presse, il dit à Marine Le Pen, tu n'es pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui. Marine Le Pen dit non, non, je vais y aller. Et il dit, quand même, elle a du cran. Et elle a eu des problèmes toute sa vie parce qu'elle s'appelait Le Pen. Après, évidemment, il revient plusieurs fois sur le fait que ses filles l'ont souvent un petit peu abandonné au profit d'autres hommes. Et vous savez quoi, ça fait 20 minutes et je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti pour résumer ça. Donc je vais prendre 30 secondes pour finir. Qu'est-ce que je retiens après avoir fini ce commentaire, cette note de lecture sur les mémoires de Jean-Marie Le Pen? Le livre est bien écrit. Vraiment bien, je veux dire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi j'ai déjà expliqué ma position sur Jean-Marie Le Pen dans la première partie de notre lecture. J'ai de la sympathie pour lui, mais voilà, ça s'arrête là. C'est un type intelligent, cultivé, mais pas plus. C'est un type qui a foiré beaucoup de choses, qui a mis l'accent sur des points où c'était inutile et contre-productif à une époque où il aurait pu faire beaucoup plus. Mais enfin bon, c'est bien écrit. C'est intéressant. Il manie l'art si singulier de la petite anecdote dans la grande histoire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a connu la grande histoire. Quoi qu'on en pense, quoi. Encore une fois, quoi que vous pensiez de lui, c'est absolument pas la question. C'est quelqu'un qui a connu la grande histoire parce que il a connu les mecs, il a connu le général de Gaulle, il a connu ça, pas trop, hein, il a vu le général de Gaulle deux fois. Il a connu Salan, Chasles, Jouot, il a connu Mitterrand, mieux, beaucoup mieux que de Gaulle. Il a connu un petit peu tous les présidents qui sont passés, les ministres, les députés, les chefs des mouvements, mais aussi les grandes fortunes. Et avec ça, il sait manier la petite anecdote. D'ailleurs, au passage, il ne parle pas beaucoup de Mitterrand, il va beaucoup en parler dans le tome 2, visiblement. Il ne parle pas beaucoup de Mitterrand, mais il semble lui dresser de lui un portrait quand même plus admiratif que celui qu'il laisse du général de Gaulle. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous dis à très bientôt et bah, répondez aux questions que je vous ai posées dans cette note de lecture. Et partagez la vidéo, ça me semble normal, n'est-ce pas? Monsieur Le Pen, est-ce que demain vous irez à l'enterrement de Maurice Papon? Et ta sœur, elle y va, elle? What you wanna do, Ronnie nigga, but I got an arsenal of